Hello, hello la famille, on se retrouve encore pour une petite vidéo. Comment faire son couscous de gari? Donc, je vais vous montrer comment je fais mon couscous de gari pour le héros, le gombo, etc. Avant de commencer, j'aimerais vous demander s'il vous plaît de liker les vidéos et les regarder jusqu'à la fin. Pour les nouveaux, bien vouloir vous abonner et cliquer la cloche de notification pour être informé des prochaines recettes. Donc voilà notre gari que je vais commencer par tremper. Donc on va verser de l'eau dans notre gari et enlever les saletés qui vont remonter. Voilà, on va verser de l'eau et à l'aide d'une louche, on va faire le mélange. Ensuite, ajouter de l'eau dépendant si l'eau n'est pas assez. Je vais ajouter de l'eau pour faire remonter les déchets. Donc voilà, j'ajoute de l'eau et ensuite je vais aller me débarrasser de tous ces déchets-là. Voilà, donc je m'en vais verser cette eau avec les saletés et je reviens vous montrer mon gari. Voilà, là je vais laisser reposer et entre-temps je mets mon eau au feu, je vais faire bouillir de l'eau dans une marmite. Voilà, l'eau est déjà à ébullition. Maintenant, on va regarder notre tapioca, notre gari, pardon. Voilà, le gari a bien monté et c'est déjà sec, l'eau a tari. Maintenant, je vais prendre une autre marmite dans laquelle je vais ajouter la moitié d'eau bouillie. Voilà, dans cette marmite, j'ai ajouté la moitié d'eau et maintenant je vais ajouter mon gari trempé. Voilà, tout y est. Maintenant, à l'aide d'un pilon, je vais tourner mon gari pour faire le couscous. Donc, je vais mélanger le gari et de l'eau. Je veux dire, je vais tourner mon gari dans de l'eau bouillante. Bon, puisque l'eau n'est pas assez suffisante, je vais ajouter encore une autre partie d'eau bouillie. Et je vais continuer de tourner, de faire le mélange pour pouvoir former mon couscous. Évidemment, ça se passe sur un feu normal. Donc après, je vais baisser, diminuer le volume du feu, mais pour l'instant, je vais faire avec un feu vif. On va comme ça continuer de tourner, tourner de temps en temps pour éviter que ça brûle moins, que ça colle en dessous là et que ça brûle moins. À présent, la texture commence à changer. Vous voyez ça déjà complètement changé. Notre couscous de gari est en train de se former. Donc, on va continuer de tourner pour éviter trop de brûlures en dessous, dans le fond. À cette étape, notre couscous de gari est prêt. Vous voyez la texture. Donc, c'est déjà prêt. On va retirer du feu et on va l'emballer. Donc, à l'aide de ma louche en bois, je vais former mes boules de couscous. Donc, je vais tremper ma louche dans de l'eau froide. Et aussi, je vais prêter le papier plastique, le papier film, dans lequel je vais emballer le couscous.
Voilà, maintenant je vais à l'aide de ma louche en bois ramasser une quantité de gari, mettre dans le plastique et emballer. Donc, vous pouvez emballer comme vous voulez. On va reprendre le processus comme ceci jusqu'à ce que tout soit fini dans la marmite. Ok, et voilà ma boule formée. Donc, c'est déjà prêt à être dégusté. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis un très grand merci. N'oubliez pas surtout liker la vidéo et pour les nouveaux, bien vouloir vous abonner pour m'encourager et aussi pour être notifié lors des prochaines recettes. Ok, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Ciao, ciao.